بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous pardonne et je vous demande de me pardonner. Avançons ensemble dans l'amour d'Allah, dans l'affection islamique, dans la fraternité islamique. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore pu, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur et leur raison et leur âme à l'islam, ceux-là restent et resteront toujours mes frères, vos frères, en humanité, en citoyenneté et en universalité. Et ils ont intérêt, comme nous avons intérêt, de ne pas faire couler le bateau dans lequel nous sommes tous, nous vivons tous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Tout à l'heure, j'ai vu un titre et je voudrais apprivoiser ce titre. Le titre, c'est « Pour 60% des Français » ou « Pour 60% des interrogés, l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines. » Pour 60% des Français, l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines. Je suis de formation statisticien. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de statistiques et de probabilités à une époque. Et à la base, j'ai un bac sciences mathématiques. Et je me rappelle ma première fiche de paye porter la fonction statisticien. Et je sais ce que c'est qu'un sondage qui est fondé sur de belles mathématiques, de belles modélisations mathématiques, probabilistes et statistiques. Et je vais dire, ok, aucun problème, 60% de l'échantillon interrogé, 1000, 2000, 3000, peut-être un peu moins, personne, on peut l'extrapoler sur la population. Donc on peut dire aujourd'hui qu'en France, 60% des Français pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines. Déjà, il faut approfondir un peu la manière avec laquelle on a posé ces questions. C'est quoi ces valeurs républicaines? C'est quoi l'islam? Mais ce n'est même pas dans ce prisme ou avec ce prisme que je voudrais, ou sous ce prisme, que je voudrais apprivoiser la problématique. Donc on va dire, alhamdoulilah. Donc, 60%, il y a déjà quelques-uns qui ont vu ce que j'essaie de faire. Donc, il y a peut-être 40%. Il y a environ 40%. Oui, il y a des gens qui ne disent rien. Moi, les 60%, je ne les vois pas autour de moi. D'accord? J'ai étudié, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté des non-musulmans. Au contraire, je n'ai jamais entendu ce discours. Mais vous pouvez me dire, nos amis français, non musulmans, il faut rajouter, parce que nous sommes tous français,
de cœur ou de papier ou d'un pot. Ils sont les as du politiquement correct. C'est-à-dire, ils ont des choses, mais ils les gardent pour eux. Ils peuvent te faire un gros sourire, alors que derrière, ils peuvent être capables de te donner des coups. Mais je dois quand même avouer que dans mes entourages, quels qu'ils soient, lors de mes études, pendant mes postes, mes fonctions, partout, subhanallah, jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à l'école, par exemple, récupérer mes enfants ou discuter avec les maîtres et les maîtresses, je n'entends pas ce discours et je ne vois pas ces 60%. Ils ne se manifestent pas. Mais combien même? Il nous reste, on va dire, 20%, 25%. Si, allez, j'élargis un peu le champ de ceux qui ne s'expriment pas. Nous avons 25 à 30% de personnes qui pensent alors que l'islam est compatible avec les valeurs républicaines. Personnellement, moi je suis musulman, alhamdoulilah. Je sais ce qui n'est pas l'islam et je sais ce qu'est l'islam. Je peux le prétendre. Je suis musulman. J'ai grandi dedans. Il n'y a pas un jour qui est passé sans que je parle d'islam et sans que je vive l'islam. Moi, je pense, wallahu a'lam, que je peux vivre tranquillement, en symbiose totale, dans ce pays qui s'appelle la France, ou n'importe quel pays du monde, en respectant les lois du pays. Et en élevant, en essayant d'élever, de faire avancer le pays. Mais combien même? Donc 25% à 30%, donc apparemment, si on fait confiance au sondage, et si les questions posées par le sondage et la manière de présenter les questions, et aussi les définitions qu'on cache derrière les valeurs républicaines, lesquelles, et derrière le mot islam. Si je suppose, si je pose comme postulat de base que tout ça a été fait parfaitement bien et qu'il y a vraiment, sans parler de sondage, qu'il y a vraiment une population à hauteur de 60% qui pense que l'islam, la religion islamique, cette montagne infinie, ancrée à l'infini, enracinée à l'infini et qui va vers le ciel et qui dépasse le ciel, l'islam, est incompatible avec ces valeurs sacrées de la République. Combien même, je suppose. Ben nous avons 25% à 30% qui croient que c'est compatible alors. Donc, à nous de travailler. Nos amis musulmans, expliquons, faisons avancer chez public, améliorons les valeurs de la République eux aussi, améliorons notre compréhension de l'islam. Affinons les choses, expliquons, invitons, côtoyons, fréquentons, argumentons, échangeons avec ces 60%, parce que le sondage n'est qu'une photographie. Dans un instant T, bah moi la photographie me fait plaisir, alhamdoulillah. Si je lui fais confiance à 100% et si tout a été fait d'une manière parfaite, ou presque parfaite. Donc il y a 60% qui pensent ce n'est pas compatible, à nous de les convaincre. Et à eux aussi, d'accord, de faire un effort intellectuel pour commencer à chercher, à voir ces musulmans qui vivent en France majoritairement comme ils sont. Et ces musulmans qui vivent partout et qui arrivent à s'adapter, qui arrivent à vivre avec les autres, qui arrivent à enrichir leur société. D'accord? Donc c'est une excellente nouvelle, mashallah. Nous avons bien travaillé. Il y a 40 ans, peut-être 90% des personnes pensaient que l'islam n'avait aucune place en France. Il y a une centaine d'années, ce n'était même pas la peine. Bah, aujourd'hui, alhamdoulillah, 40 ans, 30 ans après une présence sérieuse des musulmans en France, bah, 40%, 30% des personnes pense que les musulmans sont comme tout le monde, ce sont des gens désireux
d'avancer, de faire avancer Schmilblick et d'apaiser la République française et d'élever le niveau de la République française. Excellente nouvelle, je n'ai rien à rajouter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.